Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, ce 21 avec Marie, je sens les énergies apaisées. C'est magnifique, c'est bon signe. Ça veut dire que ceux qui ont suivi la guidance d'hier ont laissé le message pénétrer en eux. C'est ça que la parole de Dieu est censée faire en nous. Quand elle vient, elle ne ressort pas sans avoir transformé quelque chose au-dedans de nous. Ce soir, sur 21 avec Marie Bellame, je te renouvelle mon amour, ma gratitude infinie. Merci d'être là. Merci de faire partie de cette chaîne et de grandir ensemble. Ce soir, sur 21 avec Marie, je ne vais pas être très longue. Parce que j'ai des obligations aussi qui m'attendent. Mais j'ai... Dans cette guidance ce soir, sur 21 avec Marie, notre divine maman est là. Notre papa céleste est là. Saint Joseph est là. Rappelez-vous, l'autre jour, j'ai allumé deux... neuvaines, elles sont toujours en train de consommer. Elles sont dans l'autre, enfin, dans mon bureau, parce qu'ici, ce n'est pas mon bureau, c'est mon salon. Mais j'aime bien être là. Et je voulais profiter de ce décor derrière de Noël pour vous dire que j'ai aimé ce moment de la naissance du Christ qu'on a passé ensemble, ces vidéos, ces messages qu'on nous a donnés de fin d'année. Ces nettoyages que nous avons faits depuis le début, juste avant la fin d'année. On a commencé pendant 3 mois avant la fin d'année et on est rentré dans la nouvelle année purifiée. On a eu des jeunes aussi. Je voulais vraiment vous dire bravo à vous tous qui avez joué ce jeu. Sachez que jeûner, ce n'est pas une faveur que vous faites à Dieu. C'est un cadeau que vous faites à vous-même. À chaque fois que tu jeûnes, tu te fais un cadeau à toi. D'accord? Pour certains, jeûner, c'est peut-être perdre du poids. Mais non. Jeûner, c'est ouvrir les voies, les voies du ciel, les portes qui t'étaient bloquées. C'est libérer des choses. C'est recevoir également des messages parce que pendant le jeûne, tu reçois beaucoup de choses. Que tu en sois conscient ou pas. Alors, ce soir, sur 21 avec Marie. Si t'es nouvelle sur cette chaîne, bienvenue sur cette chaîne d'amour. D'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson. Nous allons nous unir ici avec cet amour pour grandir, pour donner la force à ceux qui n'en ont pas ou qui n'en ont plus et qui ont besoin d'une main tendue pour se relever. C'est à ça que ça sert cette chaîne. Oui. Et d'amour de soi, de s'aimer. Parce que c'est quand tu commences à t'aimer que tu ouvres la porte aussi. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, je voulais vraiment vous remercier pour votre implication, pour vos prières, pour vos messages, pour votre bienveillance. Que Dieu vous bénisse abondamment, tous à tous égards. Et je voulais aussi, dans cet enseignement, profiter ce soir. Il y a une personne qui m'a envoyé une vidéo d'une consœur en me disant « Ah, elle a fait une vidéo, elle copie sur toi. » J'avoue que je suis, je pense, l'une des seules qui parle de la Vierge Marie sur les guidances, du moins beaucoup, et qui a associé la carte de la papesse à la Vierge Marie, parce que c'est comme ça qu'elle me l'a dit. Je voulais juste dire que il n'y a pas de mal à ça. Si les gens copient ce qui est bien, moi c'est tout à mon honneur. Si les gens copient ce qui est bien. D'autant plus qu'il s'agit de la Vierge Marie. Donc ça veut dire qu'il va parler de Marie sur sa chaîne. Elle va amener les âmes à comprendre que Maman Marie est au centre de notre vie et à prier la Vierge Marie. Donc, il n'y a pas de mal tant que vous copiez ce qui est bien chez les autres. Mais si vous copiez ce qui est mal, là, il y a un souci. Ce soir, sur 21 avec Marie, avant de toucher aux cartes, je vais d'abord vous lire le message que les guides m'ont donné pour vous.
Parce que ces derniers temps, je le faisais à la fin des cartes, mais aujourd'hui, je veux le faire au début. Parce que quand les guidances sont longues, je pense qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas arriver au bout. Et pourtant, normalement, c'est au bout qu'il y a le meilleur. Je le fais exceptionnellement pour vous dire tout simplement qu'aller au bout de la guidance, même si vous la regardez en deux fois, allez au bout parce que le meilleur est au bout. Ça peut aussi t'inviter à te dire, ta situation n'abandonne pas. On dit que la plupart des échecs est due aux personnes qui ont abandonné alors qu'elles étaient à deux doigts de la réussite. Ça se trouve que dans cette guidance d'hier, c'est ce qui était à la fin qui allait transformer quelque chose dans ta vie. Mais tu ne l'as pas écouté. Alors ce soir, exceptionnellement, je vais vous faire ce message ici, en début de guidance, et après je vais vous faire avocat. Mais le but n'est pas de le faire comme ça. On garde toujours le meilleur pour la fin. C'est comme la foi. La foi, c'est cette chose que même quand tu boites sur le chemin, ça peut être difficile, mais tu sais qu'au bout du chemin, en marchant, clopant, clopant, tu vas arriver et qu'il y a quelqu'un qui t'attend, même dégoulinant de transpiration, qui va te prendre dans ses bras et qui va te donner cette grosse étreinte qui va tout simplement remettre tous les os brisés qui étaient déjà usés en place. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme, ton message des guides, de la source de notre Papa Céleste. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous sommes vendredi 12 janvier 2024. Le chiffre 12 parle du blocage, des moments difficiles. Mais en même temps, ce vendredi, les planètes sont alignées. Le vendredi, c'est le jour de guérison. Au ciel, dans la spiritualité. C'est aussi le jour où la planète Vénus est alignée, le jour de l'amour. Et un message qu'on m'a donné ce soir, avant de démarrer, bien sûr, je vais vous le dire avant. Le Seigneur m'a dit de te dire, cette carte, il m'a dit de la poser sur le quartz rose. Une personne qui a demandé l'amour, qui a demandé que son cœur retrouve de l'amour et que le Seigneur vienne vraiment, peut-être que tu cherches un mari, peut-être que tu cherches une femme, peut-être que tu n'as pas reçu l'amour de tes parents et que ton cœur est vide. Il me dit de te dire ce soir que votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Matthieu 6, 33. Le chiffre 6 parle d'amour et le chiffre 33, cet amour te viendra par le Seigneur. Parce que c'est son chiffre. Oui. D'ailleurs, il y a des gens qui ont les maîtres nombres 33. Ceux-là, ils ont une grosse connexion avec le Christ. C'est juste un petit clin d'œil. Ce soir, sur 21 avec Marie Bellam. La clé d'accès à la fortune. La clé d'accès à la fortune. La fortune n'est pas que la monnaie, que les billets, d'accord? Que la maison, mais ça peut aussi l'être. Il n'y a pas de raison que ceux qui sont dans le mal prospèrent et que les enfants de Dieu ne prospèrent pas. D'autant plus que c'est notre papa qui donne la fortune. Et donc, il nous dit que comme c'est lui qui la donne, il nous donne ce soir la clé à la fortune, à ta fortune. Alors écoute ton message. Le changement de mentalité. Le changement de mentalité entraîne le mouvement du Saint-Esprit. Le changement de mentalité entraîne le mouvement du Saint-Esprit. Ézéchiel 4, verset 6 nous dit: L'ange reprit et dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Il y a une chanson de Tasha Cobbs qui dit, Not by man, not by power, but your spirit God. Seigneur Spirit God, ça veut dire, ce n'est ni par moi, ni par la puissance, mais par ton esprit, Seigneur, envoie ton esprit. Vous pouvez aller regarder cette chanson, je vais vous la mettre en barre d'infos. Ce soir, sur 21 avec Marie, comprends donc que le mouvement continue. Le mouvement continu du Saint-Esprit dans ta vie est le début du renouveau, est le début
du nouveau départ également que tu as demandé, que tu as demandé depuis quelque temps. Pour toi, pour ton autre, pour tes enfants, pour ta famille, pour ton travail, pour ton association, pour tes œuvres ici-bas. En l'an 2024, ce soir, belle âme sur 21 avec Marie, le Seigneur me dit de te dire que tu vas prospérer, que ta vie va changer. Mais pour cela, laisse le flux de l'esprit passer, nettoyer ce qui doit être nettoyé, réparer ce qui doit être réparé et restaurer ce qui doit être restauré. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas restaurer, qu'on est obligé de détruire, de jeter, mais d'autres qui le seront. Ce soir, ce 21 avec Marie, ceci explique clairement que sans la nouvelle mentalité, il n'y aura point de changement. Donc, pour que tu laisses cet esprit rentrer, c'est-à-dire que tu as compris que il n'y a plus rien que tu peux posséder. Il n'y a plus rien que tu contrôles. Parce que le Saint-Esprit est comme... Je ne sais pas si les gens sont déjà allés en haute mer, en mer. La première fois que j'ai pris un bateau, que je suis à la mer, quand tu sens la mer commencer à bouger, là tu sens que tu es au milieu d'une force qui dépasse tout le monde. Mais Dieu la maîtrise. L'eau est dure. L'eau est plus dure que ce mur. Hein. Les gens ont l'impression que l'eau... Non, l'eau est dure. Quand le bateau bondit qui tape dessus, tu as l'impression que ça cogne sur quelque chose. L'eau est dure. Alors, laisse le Saint-Esprit venir nettoyer autour de toi. D'accord? Te libérer. On te dit ceci, explique clairement. Pour toi, en l'an 2024, que sans la nouvelle mentalité, il n'y aura point de changement. Qu'est-ce que tu dois changer en toi? Pour laisser cet esprit rentrer. Qu'est-ce qui bloque que ça ne rentre pas? Est-ce la colère par rapport à une personne? Est-ce la rancœur? Est-ce la tristesse? La tristesse peut nous empêcher d'arriver au paradis parce que ça veut dire que nous comptons plus sur les hommes que sur notre Dieu. Est-ce nos lamentations continues, sans arrêt? Oh, je n'ai pas ci. Oh, je n'ai pas ça. Oh, je suis seule. Oh, ouais, ok. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, parfois le Seigneur va vous mettre à un endroit juste pour vous mettre face à une épreuve. Mais en toute chose, garde les yeux rivés vers ton Seigneur. Tu vas comprendre ce soir celle qui danse. Sur 21 avec Marie. La parole de Dieu doit être relâchée. Relâchée. C'est pour ça que je dis, cette personne qui essaie de copier comment je travaille, moi, c'est fait depuis que j'ai 6 ans que j'ai été initiée à ce travail. Je vous ai dit qu'à 8 ans, je lisais déjà à l'église. Donc, quand je récite les psaumes par cœur ou des passages bibliques par cœur, je ne les ai pas appris là comme ça en quelques jours. Hein. C'est le travail de toute une vie. Donc, chaque personne a son onction. N'essaye pas de copier sur ton frère ou sur ta sœur. Maintenant, si tu es sur la même mission de vie, par exemple, c'est un message que quelqu'un doit comprendre. Et que tu dois prendre des enseignements. Vas-y. Mais si ce n'est pas ta mission de vie, tu t'égares. Je dois le dire ici, quelqu'un doit le comprendre. C'est très important. D'ailleurs, dans le monde, dans notre monde, on appelle parfois, quand tu copies l'œuvre de quelqu'un, surtout des artistes, ou même, peu importe, on appelle ça du plagiat. Pourquoi c'est condamné? Parce que chaque personne a sa lumière. Chaque personne doit... pour avoir la possibilité de créer. Et si tu n'avais plus l'énergie de création, de créativité, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque que le Saint-Esprit rentre. Alors cette chose commence à te poser la question, qu'est-ce qui bloque ma réalité? Qu'est-ce qui bloque ma créativité? Qu'est-ce qui bloque mon chemin? Qu'est-ce qui bloque ma vie? Pourquoi je ne me suis pas encore accompli alors que je vais bientôt arriver à 80 ans? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Et on dit bien, aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Même si tu as 15 ans, tu peux avoir la grâce. Moi, j'ai commencé, j'avais 6 ans. Et même si je n'ai pas pensé que c'était un appel divin et que j'ai fui parfois, j'ai eu ce qu'on appelle également le coup de bâton. Parce que, rappelez-vous, de Jonas qui a fui à la Ninive, qu'est-ce qui lui est arrivé à Jonas?
J'ai vécu la même chose que Jonas parce que je n'ai pas voulu continuer l'appel. Mais parfois, Dieu ne nous laisse pas le choix. Alors, quand c'est comme ça, pose la question à Dieu et tu vas comprendre ce soir sur cette guidance comment tu vas manifester les choses. Quand tu ne sais plus où aller, tu n'as plus de réponse, tu ne sais pas, tu ne comprends pas ce qui se passe, il y a des stratégies. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit dans Genèse 1, 2, verset 3, le verset 3 dit, Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et il eut de la lumière. Il peut tout. Il est capable de dire au mugissement des mers, des eaux, apaise-toi. Quand Pierre a commencé à paniquer, mon Seigneur, nous sommes en train de couler. Jésus dormait. Il a ouvert un œil comme ça, je l'imagine, en train de dire, homme de peu de foi, tu es avec ton maître et tu as peur. Il leur a dit, tu es dans la barque avec moi et tu as peur de couler. L'eau obéit à Dieu. Tout lui obéit. Alors, ce soir, tu vas apprendre à demander. Je vais te montrer les stratégies, comment demander. Oui, quelle que soit ta situation. Les clés d'accès à la fortune. Il y a la fortune ici-bas, mais il y a la fortune qui nous attend là-haut. Oui, celle qui est là-haut est meilleure que celle qui est ici. Hein. Parce que quand tu t'en vas et que tu regardes ce qui se passe en bas, tu te dis, mais qu'est-ce que je faisais là pendant tout ce temps? C'est pour ça que certaines personnes, quand elles sont face à une mort imminente, et qu'elles ont, même parfois, elles sont même parties de l'autre côté. Elles ne veulent plus revenir. Moi, ça m'est arrivé, je ne voulais plus revenir. On m'a dit, tu repars, tu repars. Je dis, non, 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 je suis trop bien ici. Et je me souviens qu'à un moment donné, il faut que tu vois un visage qui t'est familier. C'est ma grand-mère maternelle, qui était très pieuse, qui m'a dit, si je te revois ici, je vais vraiment me mettre en colère. Et comme je n'aimais pas la rendre en colère, je suis vraiment. J'ai demandé, ok, c'est bon, je ne reviens plus. Donc, bref, c'est pour vous dire ce soir, tu dois réaliser des choses qui t'ont ici-bas. Et si tu dois passer par l'accès également à cette fortune, tout le monde n'est pas censé avoir la richesse du monde. Hein. Il y a des gens qui l'ont refusé, qui ont signé dans leur contrat, moi je vais être clochard. Et d'ailleurs, ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai une petite pensée pour les personnes qui sont dans la rue parce que il fait tellement froid à Paris. Je ne sais pas, je pense que dans d'autres villes aussi, j'ai vu la météo. Mais quand tu sors, rien que 30 minutes, tu sens comme ça pique et tu te dis, il y a des gens là dehors. Vraiment, en voyant là une petite pensée, que le Seigneur leur réchauffe leur cœur. Donc ce soir, on te dit, Genèse 1, 2, 3, le verset 3 dit, Dieu dit qu'il y ait la lumière et la lumière, et il eut la lumière. Il eut de la lumière, autant pour moi. Donc, il peut tout. Il te donne un trousseau de clés ce soir. C'est marrant parce que je n'avais même pas vu qu'il y avait ça en face de moi. Le chemin de ta vie, tu as un trousseau de clés qui va ouvrir plusieurs portes. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Il y a même une huitième. Le huit, c'est le chiffre de l'excellence. C'est la justice. C'est la fin du karma. D'un karma. Ce soir, ce 21 avril, Marie, relâche la parole de Dieu dans ta vie. Parle de Dieu aux gens. Vous voyez, si j'ai des consoeurs qui commencent à faire les mêmes guidances que moi, ça veut dire qu'ils vont apprendre la Bible parce que tu ne peux pas faire ce que je fais si tu ne connais pas la Bible. Et donc, il y aura encore plus d'âmes sauvées. Amen. Il y aura encore plus d'âmes sauvées. Oui, elles ne vont pas apprendre la Bible juste parce qu'elles ont envie faire le show ou d'avoir une chaîne. Elles vont apprendre la Bible parce que ce sera peut-être le chemin qu'elles vont décider de choisir aussi. Parce que parfois, tu sais, quand tu es à l'école, on te dit qu'est-ce que tu veux faire, mathématicien ou philosophe, etc. Il y en a qui n'ont pas les capacités. Les professeurs l'ont dit quelquefois. Ah ben non, je ne peux pas être ingénieur, ça ne sert à rien, on ne va pas y aller. Et il y en a qui vont aller alors qu'ils sont nuls à mathématiques, mais ils vont creuser, ils vont apprendre. Moi, c'est comme ça que je ressens ça ici, certaines personnes. Elles vont se challenger. Et tant mieux parce qu'elles sauront encore plus le travail qu'il y a dedans. Quand elles vont mettre leurs genoux au sol, 91 fois pour lire les psaumes 91 ou 120 fois pour faire une prière toute la nuit, qu'elles vont se lever, elles auront les genoux qui vont avoir gonflé parce qu'il ne faut pas mettre de coussin. Parce que c'est ça, en fait, se mortifier. Elles vont faire des roulades. Parce que tu n'arrives pas à ce stade comme ça en te levant le matin. Il y a du travail. Et oui, avec le Seigneur, tout se mérite. Parfois, on a la grâce. Mais quand tu veux, tu suis son chemin, c'est un chemin qui demande du travail. Parce que tu dois être capable de transmettre quelque chose de bon aux autres. Et donc, ce soir, soyez des bons exemples.
On ne copie que ce qui est bien. On ne transmet que ce qu'on est. Alors laissez vous copier par des bonnes choses. Donc ça veut dire que si vous ne relâchez pas la parole de Dieu, vous allez être un mauvais exemple. Et donc les gens vont copier des mauvaises choses en vous. Et ça, ce n'est pas ce que la parole nous dit ce soir. Ce soir, ce 21 avec Marie, relâche la parole de Dieu dans ta vie pour l'accomplissement du changement de mentalité. Amen. Est-ce que tu comprends? Et on te parle de stratégie. Les stratégies et les pensées positives. Tu as une stratégie et il faut que tu sois toujours dans la pensée positive. Même si tu as une mauvaise pensée qui te vient à l'esprit, tu la balais. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi, je ne voulais pas penser comme ça. Transforme-moi. C'est très important de savoir demander pardon et de savoir revenir sur le droit chemin. Parce que tu sauras que tu es en train de sortir de ton chemin. Chercher les bonnes stratégies et avoir toujours les pensées positives pour atteindre son objectif. Et d'ailleurs, je vais vous parler d'une stratégie que moi j'ai apprise quand j'étais jeune et que j'étais à l'école de dimanche. À l'école de dimanche, c'est jusqu'à 12 ans. Hein, donc voilà, quand je commence à 6 ans, 8 ans, 12 ans, c'est jusqu'à 12 ans l'école de dimanche. Et je peux vous dire que j'en ai bouffé de l'école de dimanche. Et après l'école de dimanche, nos parents nous prenaient et nous amenaient dans la grande salle parce que nous, on arrivait à l'église avant les parents. Donc, tu es enfant, en plus, tu dois te lever tôt. Ta robe doit être bien repassée, tes chaussures doivent être bien nettoyées. Tu dois partir avec l'eau bénite à l'église. Et on peut penser que c'est une corvée, mais c'est une fortune que tu n'as même pas aidée. Moi, je dis, ma mère, elle peut rien me donner demain, mais ce qu'elle m'a donné en m'amenant à l'église, c'est plus que toutes les fortunes. Parce que cette connaissance, ces enseignements ont fait de moi la femme que je suis. Et peut-être feront de vous demain les hommes, les femmes et les enfants que vous êtes. Ce soir, ce 21 avec Marie, tout ce que Dieu fait est bon. Alors j'ai appris par l'apôtre qui m'a formé que quand tu veux recevoir quelque chose, c'est une stratégie, hein, je vous la donne ce soir, ceux qui veulent l'apprendre, l'apprennent. Tu prends ta Bible, comme ça. Tu la tapes 3 fois. Tu l'ouvres à un endroit et tu pointes du doigt le message. Ce message est le tien. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, je suis tombée sur quoi? Sur Jérémie 49, verset 11. Alors, est-ce que c'est le verset 11? Non, c'est le verset 31. Levez-vous, montrez contre une nation tranquille. Levez-vous, montez contre une nation tranquille, en sécurité, dans sa demeure, dit l'Éternel. Levez-vous, montez contre une nation tranquille, en sécurité, dans sa demeure, dit l'Éternel. Elle n'a ni porte, ni barre. Elle habite solitaire. Leurs chameaux sont au pillage et la multitude de leurs troupeaux sera une parole. Je les disperserai à tous les vents, ceux qui se rasent les oins de la barbe, et je ferai venir leur ruine de tous les côtés, dit l'Éternel. Alors, on parle ici, Hazor sera le repère des chacals, un désert pour toujours, personne n'y habitera, aucun homme n'y séjournera. On parle ici des habitants de Hazor à l'époque, dit l'Éternel, car Nebuchadnezzar, puisqu'on parle de ce monsieur-là, qui avait été comment je peux vous expliquer ça? Nebuchadnezzar, ici on dit, qui était le roi de Babylone. Et d'ailleurs, quand on prend la tour, c'est la tour de Babel, comme je vous dis souvent.
C'est l'œil de Dieu qui a regardé Babylone, qui a détruit Babylone pour reconstruire Sion, a pris une résolution contre vous. Donc, même un pays où les gens sont tranquilles, si un dirigeant n'est pas bon, si dans la maison où tu es, si dans le pays où tu es, si dans la nation où tu es, si celui qui est ton patron n'est pas bon, que le Seigneur voit que cette tour-là, c'est la tour des horreurs, c'est la tour de Babel. Il est capable de la détruire. Bien que ces gens-là pensent qu'ils sont tranquilles, parce qu'il y a des gens. Ce soir, peut-être qu'on nous parle du monde, de ce qui se passe dans le monde. Là, il y a la guerre qui se passe autour de nous. Et nous, on est tranquilles. Le Seigneur nous demande de regarder. Et de prier. D'envoyer nos voix. De cette manière, nous aurons contribué à la paix dans le monde. C'est un message ici. Ce soir, ce 21 avec Marie, ça peut aussi te ramener à toi, à ta situation que tu vis, qui te sévit aujourd'hui. On nous parle ici de la tour, quelque chose qui doit être détruit pour être reconstruit. Babylone. Ce soir, ce 21 avec Marie, j'ai eu également un message de 2 Corinthiens pour vous, mes belles âmes. 2 Corinthiens, verset 9 jusqu'au verset 8. On va le lire ensemble. C'est le message de la stratégie et des pensées positives. 2 Corinthiens 9, 8 nous dit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. » Amen. « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. » Peut-être que vous avez peur de quitter un endroit. Vous avez peur parce que vous ne savez pas ce que demain vous réserve. Vous avez peur d'être licencié. Vous avez peur de ce divorce. Vous avez peur que cette personne, c'est vous qui votre vie va s'effondrer. Vous avez peur de quelque chose ici. Pourtant, on vous dit ce soir, depuis hier, on vous dit, arrête de paniquer. Écoute, calme-toi. Écoute tes guides. Il y a quelque chose de mieux qui vient pour toi. Il y a un cadeau divin. Et ce soir, les messages continuent. Le Seigneur te dit, et Dieu peut combler toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous avez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit. Donc tu vois que si le Seigneur va te combler de grâce, il va te rajouter, il va te permettre d'avoir en abondance et de manière à ce que tu puisses encore aider les autres, tu seras déjà comblé. Mais tu en auras suffisamment pour aider les autres. C'est ça que ce message te dit ce soir, ce 21 avec Marie. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. Et on nous dit, la foi, qui connaît la définition de la foi? Tout à l'heure, je vous ai dit, c'est cette chose que quand tu boites, tu marches dans un sens, sur un sentier, tu as des cailloux, c'est cabossé, tu sais que de toute façon, même si c'est compliqué, la foi va te permettre d'arriver au bout et qu'il y a quelqu'un qui va te faire une étreinte, qui va t'embrasser malgré ta transpiration. Mais Hébreux 11, verset 1, nous donne encore une meilleure définition ici ce soir, ce 21 avec Marie. J'aime bien m'appuyer sur la Bible. Hébreux 11, verset 1 nous dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Tu veux que je la reprenne? Or, la foi est une ferme assurance. Tu as l'assurance que ce que tu as demandé va se produire. Et c'est là que ça se manifeste. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu démontres des choses que tu ne vois pas parce que tu as la foi. Ça ne veut pas dire que tu vas mentir. Moi, par exemple, quand j'ai eu des apparitions, et j'en ai encore, je le sais, et que je pose la question, parfois, tu n'as même pas besoin de parler parce que quand c'est Jésus que qui t'apparaît, tu sais que c'est Jésus. Quand c'est la Vierge Marie, tu sais que c'est la Vierge Marie. Mais quand il s'agit des archanges, comme il y en a plusieurs, je pose toujours la question et la réponse, elle est automatique. D'accord?
L'énergie parle. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les énergies des gens. Il y a des gens qui vont faire des grilles, des trucs comme ça. Ils ne savent pas qu'ils jouent avec les énergies. Protégez-vous. Protégez vos familles, protégez vos enfants. Priez. Et c'est à travers la prière que tout ça se passe, en fait. La prière, c'est ton arme, en fait. Ce soir, j'ai mis ce talisman qui vient de Lourdes, avec la terre de Lourdes. C'est l'œil de tigre. Ça veut dire qu'il y a des personnes ici qui ont de la jalousie. On vous demande de faire ce qu'on appelle une lithothérapie, de vous protéger contre le mauvais œil. La Vierge Marie vous dit ici, je suis ta mère. Je suis ta mère, tu peux me demander. D'accord? Prends ton chapelet. C'est ton épée. Ce soir, ce 21 avec Marie. Je dirais que la foi est la monnaie qu'il nous faut pour acheter nos bénédictions de fortune dans les cieux. Je dirais que la foi est la monnaie qu'il nous faut pour acheter nos bénédictions de fortune dans les cieux. Tu vois ici qu'on te parle de stratégie. Et quand tu as tapé ta Bible trois fois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que tu l'as ouverte, quand tu pointes ton doigt, le message qu'on t'a donné, c'est celui-là qui est le tien. Même si tu n'y crois pas, c'est un message prophétique. Il va se manifester. Il faut que tu aies la foi quand tu ouvres ta Bible et que tu demandes au Seigneur, donne-moi, réponds-moi Seigneur. Et à travers les jeunes aussi, ça ce sont les stratégies. Quand vous voulez recevoir l'Esprit, le Saint-Esprit, et qui vous parle, qui vous conduise, le jeûne, à travers le jeûne, tu reçois. Pas n'importe quel jeûne. Le jeûne à l'eau, quand tu bois que de l'eau, évidemment c'est un jeûne très dur. Pendant 3 jours, pour ceux qui sont habitués, initiés, je ne vous invite pas à le faire si vous n'êtes pas initié. 3 jours de jeûne à l'eau, que de l'eau, oui, tu sens quand même que ton corps est tangue. Hein. C'est le jeûne pour la santé, pour une maladie, pour une situation. Peut-être tu as un enfant qui est malade, tu veux obtenir la guérison miraculeuse. Le jeûne à l'eau, c'est un jeûne de guérison. Et nous sommes vendredi, aujourd'hui, le vendredi, c'est le jour de la guérison. Donc, demander une guérison miraculeuse pour un enfant qui est malade. Le jeûne ordinaire, celui où on va manger le soir, jusqu'à minuit, on arrête et le lendemain, on reprend. On peut le faire pendant une neuvaine. Celui-là, c'est un peu comme le jeûne de la Pâque ou le Ramadan, ceux qui ont l'habitude de faire le Ramadan. Donc, celui-là, il est plus souple, mais celui-là, il est puissant parce que c'est le jeûne de quand tu as besoin de recevoir des messages de l'Esprit-Saint. Peut-être des dons de médiumnité, les dons de clairvoyance, c'est un don que tu veux. Peu importe ta demande, parce que c'est personnel, c'est ce que tu demandes à ton Père, qui est là-haut. Ce soir, ce 21 avec Marie, je voulais vous passer ces stratégies qui m'ont été transmises aussi et qui marchent très bien. Donc, essayez-les pour vous. Ce n'est que la foi qui fera en sorte que ça prenne appui dans votre vie. Ce soir, ce 21 avec Marie, je dirais que la foi est la monnaie qu'il nous faut pour acheter nos bénédictions de fortune dans les cieux. Voilà, belle âme, ce soir, ce 21 avec Marie, quelques clés d'accès à la fortune. Mets donc les mains à partir d'aujourd'hui sur ces clés de ton destin, les clés du royaume pour ouvrir les portes des bénédictions de la fortune pour toi en 2024. Mais je demanderai encore ici, qu'est-ce qui représente ta fortune, belle âme, ce soir? Est-ce ton mariage? Est-ce ton travail? Est-ce tes enfants? Est-ce l'héritage de tes parents? Est-ce ta voiture? Tes vêtements? Tes chaussures? Tes manteaux? J'en sais trop rien. Tes terres? Ma prière pour toi ce soir est que le secret de ce que tu veux obtenir tout au long de cette année 2024 te soit révélé à travers des songes, à travers tes prières, à travers ton jeûne. Je vous ai dit que jeûner, ce n'est pas une faveur que vous faites à Dieu, c'est un cadeau que vous faites. À travers peut-être aussi le soin énergétique que tu vas demander. Pour ceux qui souhaitent encore avoir un soin énergétique, ce soir, ce 21 avec Marie, faites-le parce que la semaine prochaine, je m'en vais aux États-Unis. Fin de semaine prochaine, je ne suis plus là. Je vous ferai des guidances en avance. Si Dieu me donne la force, je pense qu'il le fera. Je le remercie déjà pour ça.
Je remercie le Seigneur pour cela. Parce que Dieu, l'homme propose et Dieu dispose. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est lui. L'intention est là. Mais ce soir, je suis 21 avec Marie. Si tu as besoin d'une guidance, si tu as besoin d'un soin, tu as le numéro en barre d'infos, tu as mon mail. Et je voulais te lire ce dernier passage de Job 22, verset 28. Il est dit, à tes résolutions répondra le succès. Amen. Il est dit dans Job 22, verset 28, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Ce soir, sur 21 avec Marie, je voulais te... Merci Saint-Esprit, merci Papa Céleste, merci Jésus, merci Maman Marie. Merci Fatma, notre maman Fatma qui est là, qui nous protège contre le mauvais œil aussi, sur cette chaîne Marie-Fatma. Que le Seigneur protège tes enfants, qui te protège, qui protège ta vie, qui protège ta fortune, ton avenir, ton départ et ton arrivée, ta maison et ton action de grâce arrive devant lui comme un parfum doux dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus. Merci pour la parole divine ce soir, Seigneur Jésus. Viens faire en sorte que cette parole germe au-dedans de chacune des âmes de cette chaîne et qu'elle porte des fruits de bénédiction, de grâce, de joie, de bonté, de gratitude, de beauté, de paix, cette paix que tu nous as laissée, Seigneur. Recevez la paix du cœur ce soir. La paix du Christ, au nom de Jésus. Amen. Je vais vous lire ce passage avant de prendre deux, trois messages, d'accord? On nous dit ici, c'est une chanson, j'aime bien chanter, parce qu'on nous dit chanter, c'est prier deux fois. Mais écoutez juste les paroles, c'est plus important que ma voix. Debout, debout, sainte côte, soldat du roi des rois, c'est toi le soldat du roi des rois. T'es né d'une main forte, l'étendard de la croix, l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, on a dit tout à l'heure que ce chemin, c'est un chemin un peu compliqué, n'est-ce pas? Il y a un sentier. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit. Lui-même, il nous conduit, Jésus-Christ. De victoire en victoire, il mène qui le suit. Ce soir, sur 21 avec Marie, suis Jésus et tu verras la victoire. Il te conduit de victoire en victoire. Amen. Si tu as la foi ce soir, cette chose merveilleuse qui te demande tout simplement de croire que Jésus est Dieu, il est le chemin, la vie et la vérité. Ce soir, sur 21 avec Marie, le Seigneur te dit avec cette carte, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Matthieu 6, 32. Tu vois, j'ai lu 33 tout à l'heure et je vois 32. C'est qu'il y a quelque chose. Je vais demander ici avec cet oracle le message que tu dois recevoir ce soir. Dis non sans voix sans issue. Il y a une situation ici, tu dois dire non. C'est une voix sans issue par rapport à la situation que tu penses actuellement. C'est une voix sans issue. On te dit de viser haut. Tu mérites mieux que ça, d'accord? Vise haut, ne t'attarde pas sur le négatif, ce n'est une perte, c'est une perte de temps, d'accord? Dis non par rapport à une situation ce soir, parce que ce n'est pas pour toi. Vise haut, tu mérites mieux que ça. Ne t'attarde pas sur le négatif que cette situation a pu t'apporter, c'est une perte de temps, ne perds plus ton temps avec ça, d'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, wellness, c'est la guérison ici, hein? Pour éclairer, pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante. On parle encore ici de soins énergétiques. Hein? Voilà. Donc,
On l'écrit comme ça pour simplifier, mais on ne veut pas vraiment de faire un nettoyage, une purification. La synergie eau et plante a des grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, son esprit sera apaisé, ton esprit sera apaisé et détoxifié. Ce soir, ce 21 avec Marie, j'ai envie de mettre un air de chanson ici, bien plus différent. Garde ta foi. Garde ta foi, belle âme. Bon, j'arrive pas à le faire, mais je la laisse là, c'est pas grave. Je voulais changer l'air, mais c'est pas grave, je laisse ça comme ça. Ici, wellness, on te demande de faire un bain, de nettoyer quelque chose et d'allumer un siège. Est-ce que vous savez ce que représente le siège? Est-ce que vous savez, quand vous allumez une bougie, vous savez ce que c'est? La signification? Le siège est le symbole du Christ. Ah oui, de Jésus. Le siège est le symbole du Christ. Et la scie représente sa chair. Voilà. Donc ce soir, on t'invite à t'accrocher à Jésus. Il a dit quoi tout à l'heure? Je vais juste terminer ça. Il te dit que tu vas recevoir les bonnes vibrations quand tu vas faire cela. Good vibes. Détache-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. C'est ce qu'on t'a dit tout à l'heure, les pensées positives et les stratégies. Et demande à ton Dieu, à ton Papa Céleste, quelle direction il va te guider à travers la Bible. Là-dedans, dans ce livre, c'est le livre de vie. Tu as tout dedans. C'est ma vieille Bible que ma mère m'a offerte quand je pense que j'ai eu mon premier enfant. Donc, elle commence à faire, à avoir de l'âge. D'accord? Donc, ce soir, ce 21 avec Marie, arme-toi de ces gadgets qui n'ont l'air de rien, mais qui sont la source de vie. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. On te dit for sure, ça veut dire sûr, certainement. Et tu as quelque chose ici dans le chakra de la gorge que tu dois, il y a quelque chose ici que tu dois demander à ce qu'on te nettoie le chakra de la gorge. Soit tu parles trop, soit tu parles pas assez, soit tu n'arrives pas à t'exprimer comme il se doit. Ce chakra de la gorge, il faut qu'il soit nettoyé, purifié. On t'a dit qu'il y avait une purification qui doit se faire. Et donc n'hésite pas à demander un soin énergétique et un accompagnement spirituel également. Et comme je dis, je ne fais pas de soins sans guidance. Chakra de la gorge. L'univers te communique des messages tout puissants. Ce soir, ça peut être un. À toi de recevoir avec discernement. Sers-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie. Deviens ce que tu es. Affirme l'expression de ton rêve. Vis tes rêves. Archange Michael. Waouh, puissant Archange Michael. Merci. Avec Maman Marie, les deux, ils forment une équipe de choc. Ce soir, ce 21 avec Marie, nous avons la présence de notre Archange Michael ici pour te libérer d'une situation. Reçois divinement, tout simplement. Et cette clé, le trousseau ici, des clés, on te dit, la vie te sourit. Tu reçois. Ça, c'est la clé du destin. C'est l'oracle, les clés du destin. Et tu as la clé. Et je n'ai pas fait exprès, hein. Il y a un travail là qui a déjà dû être fait ou qui doit être fait. On te demande d'avoir l'audace également de prendre le chemin. Le chemin qui est celui de la vie et de la vérité. Travail. Ton rapport au travail est en jeu. Peut-être que ici, on t'invite à t'impliquer vraiment dans ton travail. Quelqu'un doit comprendre ça. C'est un message pour une personne. Peut-être que tu dois faire plus d'efforts ici ou tu dois faire attention à ton entourage. Et de l'audace peut-être aussi d'aller au-devant des choses. Peut-être que tu dois avoir une compétence que tu dois rajouter dans ton métier, apporter une valeur ajoutée, quelque chose qui doit s'arranger, qui doit te faire grandir. On t'a parlé de la fortune, de ta fortune, de la fortune. Peut-être que tu cherches à prospérer dans ton travail
Utilise les bonnes stratégies. Demande un accompagnement, ce soit sur cette guidance, un soin énergétique, une aide quelconque, mais une aide spirituelle et efficace pour te permettre de prospérer. D'accord? Audace. Ose ce que tu n'as jamais osé. Il y a quelque chose ici de nouveau qui vient à toi. Et qu'est-ce que j'ai derrière? On parle ici de l'hiver. Préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. D'accord? Préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. On parle de toi. On ne parle pas des autres. On parle de toi. S'il y a quelque chose ici qui ne t'accueille pas, préserve-toi de ça. D'accord? Et on parle ici d'une maison également. J'ai la maison, on te dit contentement, rayonnement, la gratitude, rayonnement de gratitude. Il y a de quoi. Il y a de quoi faire ici par rapport à un foyer, une maison. Il y a un chat également là. Un chat noir. D'accord? Il y a de quoi faire. Peut-être que tu avais demandé quelque chose. On te dit aide de l'audace. OK? Les bonnes vibrations ici vont t'apporter des réponses à ce que tu as demandé. Il y a quelqu'un qui te fait un clin d'œil là. C'est un guide personnel. Il te dit quoi? Prête attention aux signes. Un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras. On t'a dit hier, calme-toi, apaise-toi, écoute tes guides. Il t'entraîne vers un bon chemin, il t'amène vers quelque chose de merveilleux. Les choses sont en train de changer. On t'a dit qu'il y a un beau cadeau qui vient pour toi. Là, ils te font un clin d'œil. Le clin d'œil ici, c'est clair et net. Hein? Clin d'œil. D'accord? Prête attention aux signes. Un événement survient d'ici peu. Pour te permettre de poursuivre la prochaine étape, détends-toi. Tu les comprendras. Ton guide personnel. Et je pense que c'est une situation dans laquelle on t'a mis de mauvais oeil. Peut-être que tu as attiré des jalousies par rapport à cette situation. On parle de provision. Provision. La magie divine est en chemin. Tends les bras. Haut les mains. Tout simplement pour recevoir. Et je terminerai dessus. On vous demande de quitter une dépendance ici. Rappelle-toi que tu es libre. Quelqu'un qui avait, comme si on t'avait attaché quelque part. Tu n'es pas un arbre, bouge. D'accord? En plus, quand je parle de l'arbre, j'ai juste l'arbre derrière. Tu n'es pas un arbre, bouge. Ça, c'est le boulet que tu traînes depuis. Libère-toi de ça. Tu n'es pas un arbre, bouge. On te donne un trousseau de clés ici, ce soir, ce 21 avec Marie. Fais-en bon usage. D'accord? Fais-en bon usage. Ce soir, c'est une clé qui est sur une pierre dorée. Cette pierre, c'est la même que tu reçois qu'on met sur le ballon d'or. D'accord? Cette pierre, c'est la même que tu as sur le ballon d'or. Donc, tu vois que ici, c'est comme si on va te donner une place du premier. On va te couronner ici. Tu vas être reconnu, récompensé. Je parle spirituellement et que ça va peut-être prendre aussi forme au niveau de la matière. Nous sommes dans le monde. Et il faut qu'on se réalise aussi dans ce monde. On te dit, pendant l'automne, un détachement est nécessaire. Il y a quelque chose qui devait se détacher pendant l'automne. Mais peut-être pour renaître, puisque ici, j'ai la naissance. Épuisement, repose-toi. Il y a quelque chose qui t'a épuisé. On t'invite à prendre du repos, d'accord? Parce qu'il y a un chemin que tu vas prendre à nouveau. Il y a quelque chose qui t'a épuisé en automne. Et on te dit qu'il y a une croisée des chemins, quelque chose qui prend un nouveau chemin, d'accord, pour toi? Croiser des chemins, fais-toi le cadeau de voir pleinement les choses. Il y a un nouveau chemin qui va te demander de l'action, d'accord? Mais pour ça, il faut que tu comprennes que tu étais en lycée là. Il faut que tu enlèves ce pieu-là. C'est comme si tu avais un boulet dans la jambe, sur la jambe, sur la cheville. Dépendance, rappelle-toi que tu es libre. Tu es libre de vivre ta vie. Tu es libre d'être qui tu es. Ce soir, ce 21 avec Marie, je termine avec la naissance. Une nouvelle vie est là pour toi. Tout simplement parce que tes guides ont fait leur taf. Maintenant, c'est à toi de faire le tien. D'accord? Il y a quelque chose ici qui est lié également aux réseaux sociaux. Ouvre-toi au monde. Il y a quelque chose aux réseaux sociaux là. Je ne sais pas pour qui c'est. D'accord? Et j'ai la victoire. Tu vas y arriver. Ce soir, je suis 21 avec Marie. Par rapport à un travail,
Si tu te mets au travail là maintenant, tu te demandes à ce qu'on fasse un travail sur toi, ça peut être énergétique, ça peut être dans ton travail, il y a la victoire qui vient. Et on te parle de protection ici avec ce que tu vas mettre en place. Aie l'audace d'avancer. Tu es protégé, d'accord? Tout ce que tu envisages est protégé. Alors n'aie pas peur. Tu vois, on a également l'améthyste ici au milieu. D'accord? On me dit qu'il y a une personne qui a des pierres chez lui ou chez elle. Il faut que tu mettes de l'eau sur tes pierres. Il y a beaucoup de poussière dedans. Elles sont étouffées. Elles ne peuvent plus faire du travail. Donc, passe-les sous l'eau. Et tu les mets peut-être à l'extérieur, à la pleine lune. Ce sont des pierres que tu as laissées prendre la poussière. Sors-les, mets de l'eau dessus. D'accord? On parle que quand tu vas le faire, il y a quelque chose d'inattendu que tu vas recevoir. L'inattendu revient. Viens, réveille-toi. L'inattendu vient réveiller les plans. Ok? L'inattendu vient réveiller les plans. Tu vois, il y avait quelque chose là que tu avais du mal parce que je pense que tu es épuisé, tu n'arrives pas à comprendre là. Ton esprit est dans la confusion. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, on te parle de protection et de prendre courage parce qu'il y a une situation qui t'attend et qui sera une victoire, qui passera par le travail. Ton rapport au travail est en jeu. Donc, on t'invite ici à faire un travail, soit dans ton domaine professionnel, soit dans le domaine spirituel. Et peu importe, puisqu'on parle ici que c'est en jeu, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu as mis de côté et on te demande de revoir ça de manière différente et demande un accompagnement, demande qu'on t'aide parce qu'il y a une autre direction là pour toi. Tu es à la croisée des chemins, mais si tu ne comprends pas que tu dois quitter cette dépendance, cette situation, je ne sais pas quelle dépendance c'est, d'accord? C'est toi qui sais. Ça peut être affective, ça peut être médicamenteuse, ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être la peur. Il y a des gens qui sont dépendants à la peur. La peur les maintient dans un enlisement, dans un conditionnement. Pourtant, si tu te rappelles de tout ce qu'on t'a dit avant, Jésus-Christ t'amène de victoire en victoire. De victoire en victoire. Ce soir, sur 21 avec Marie, reçois la grâce divine ici, sur cette guidance. Comme d'habitude, j'ai encore fait long, alors que j'ai des obligations. Donc, ma foi, je vais essayer de m'atteler au prochain rendez-vous que j'ai. Pour ne pas faire trop attendre les gens. Ce soir, sur 21 avec Marie Bellame, je vais te souhaiter un excellent week-end. Nous sommes déjà la deuxième semaine du mois de janvier de l'année d'ailleurs. Ça passe vite. Hein. Lance-toi dans le bain, demande un accompagnement, libère les énergies pour que ton année soit juste une année où tu vas voler de tes propres ailes, comme une colombe. La colombe, elle vole, mais elle est pure. D'accord? Sois pas comme une chauve-souris voilà, qui va dormir à l'envers. Non, sois comme cette colombe qui est un petit peu associée au Saint-Esprit. D'accord? On dit que la Vierge Marie, elle est l'épouse du Saint-Esprit, c'est une colombe. D'accord? Voilà. Ce soir, sur 21 avec Marie, reçois tes grâces et tes bénédictions. Je te souhaite une excellente soirée. Très bon week-end à toi et à tous ceux que tu aimes. À très bientôt, belle âme.